Les vraies richesses du croyant sont trésors. Dans le Nouveau Testament, si les terribles conditions de ceux que Satan tient enchaînés, comment doivent se comporter les enfants de Dieu appelés à vivre dans une atmosphère aussi délétère, tout imprégnée de l'influence de l'argent? Ils sont encore dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Ils ont été achetés à prix, ils appartiennent à Christ, mort et ressuscité pour eux, 1 Corinthiens 6, verset 20. Leurs bénédictions ne sont plus terrestres et donc fugitives, Proverbes 23, 4, 5. Elles sont liées à un Christ glorifié, assis dans les lieux célestes. Ce sont d'inépuisables trésors conservés pour l'éternité. Éphésiens 1, 18, 1 Pierre 1, 4. Le Seigneur Jésus met les siens en garde. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, où les voleurs percent et dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 19, 21. Allons-nous donc chercher à acquérir ici-bas un trésor quelconque, au risque de voir notre cœur s'y laisser prendre? Si des biens nous ont été confiés pour un temps, comment convient-il d'en user? Dans l'Ancien Testament, il est vrai que dans l'Ancien Testament, les biens terrestres étaient un signe de la faveur de Dieu, au point que les fidèles, Asaph, étaient plongés dans une grande perplexité devant la prospérité des méchants. Pour comprendre, il faudra entrer dans le sanctuaire. Psaume 73, verset 17. Mais si Dieu accordait aux siens de telles bénédictions temporelles, il poursuivait toujours un but spirituel. Israël, en quittant l'Égypte, avait dépouillé ses habitants. Exode 3, 21-22, Exode 12, 35-36. C'est ainsi que ceux dont l'esprit était libéral, que leur cœur y portait, furent en mesure d'apporter les matériaux nécessaires à la construction du tabernacle. Exode 35, 20-29. Leur bétail aussi pouvait être offert en sacrifice sur l'autel d'airain. Plus tard, dans le pays de la promesse, Dieu se proposait d'ouvrir son bon trésor en leur faveur. Deutéronome 28, 1-14. Mais chacun, dès lors, était responsable de lui offrir de l'abondance dans son grenier et de ce qui coulait de son pressoir. Exode 22, 29. Cette prospérité matérielle n'était pourtant pas sans danger, mais si elle venait récompenser la piété, 2 Chroniques 32, 27, 29, même un roi fidèle comme Ézéchias s'élevait en faisant admirer ses trésors, et la fin de son règne s'en trouva ternie. Ésaïe 39, 3 à 7. Abraham et le roi de Sodome. Bien différente avait été l'attitude d'Abraham, l'ami de Dieu. Il vit par la foi, comme un étranger dans ce pays, que Dieu lui a pourtant donné en héritage. Il se sait observé par les habitants et comprend qu'il doit se séparer de Lot pour éviter de donner le spectacle, déshonorant pour la gloire de Dieu, de disputes entre frères. Mais il ne fallait pas valoir ses droits et s'en remettre à Dieu. Il laisse délibérément son neveu choisir ce qui attire son cœur, la meilleure portion, le pays le plus riche. Genèse 13, 10 à 11. Aussi Dieu veille sur lui. Melchisédek vient le fortifier à la veille d'une épreuve plus dangereuse encore. Le roi de Sodome, figure frappante du prince de ce monde, lui propose un séduisant marché. Donne-moi les personnes, littéralement les hommes, et prends les biens pour toi. Genèse 14, 21. Combien sont tombés dans ce terrible piège? Mais Abraham répond, j'ai levé ma main, j'ai juré vers l'Éternel, le Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre. Si depuis un fil jusqu'à une courroie de sandales, oui, si de tout ce qui est à toi, je prends quoi que ce soit, Genèse 14, 21-23, sa véritable richesse, Abraham l'a compris, c'est Dieu lui-même. Job 22, versets 24-25. Ici, un chrétien a une appréciation claire de sa position, il suivra assurément le même sentier. La piété avec le contentement.
Il sait qu'aujourd'hui, les richesses matérielles ne sont plus la récompense divine, accordée à ceux qui font le bien. Au contraire, elles mettent sérieusement à l'épreuve ceux qui les possèdent, car il est difficile de ne pas se confier, tant soit peu, en elles. Allons-nous garder notre caractère d'étranger dans ce monde qui a rejeté Christ, résister aux séductions de l'ennemi qui emploie les mêmes moyens qu'avec les incrédules, là où le Seigneur, notre Seigneur, n'avait pas un lieu pour reposer sa tête? Pourrions-nous chercher à vivre dans les délices de la terre, cet or et cet argent rouillé dont parle Jacques 5, 3 à 5, ont-ils encore de l'attrait par nos cœurs? Combien de temps passons-nous à poursuivre la satisfaction de besoins artificiels que l'ennemi a réussi à nous présenter comme indispensables? Ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux. C'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes beaucoup de douleurs. 1 Timothée 6, 9 à 10. L'apôtre nous met garde, mais il nous indique aussi le remède. La piété avec le contentement est un grand gain. 1 Timothée 6, verset 6, Hébreux 13, 5. Le chrétien a des biens meilleurs et permanents. Ses besoins sur la terre devraient être vite satisfaits. Ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. 1 Timothée 6, verset 8. Bien des carrières chrétiennes auront été, sinon ruinées, du moins très appauvries par l'amour de l'argent et l'amitié du monde. Jacques 4, verset 4. L'action sanctifiante de la parole est étouffée par la tromperie des richesses. Matthieu 13, 22. Et le croyant reste sans fruit pour Dieu. Quelqu'un appelé frère peut devenir un avare ou même en venir à enseigner ce qui ne convient pas pour un gain honteux. 1 Corinthiens 5, 11, titre 1, verset 11. Seule une communion constante avec le Seigneur pourra nous garder de ce terrible danger. Si au lieu de chercher notre propre intérêt, nous avons vraiment les siens en vue. Il pourvoira à tous nos besoins. Matthieu 6, 25, 30, 32, Philippiens 4, verset 19. Tout ce qui paraît nous appartenir, nos capacités, notre temps, nos richesses même, est sa propriété. Le chrétien est donc un économe, intendant, gérant. Il gère les biens de son maître. Il devrait toujours avoir devant lui le tribunal de Christ et s'appliquer avec ardeur à lui être agréable. 2 Corinthiens 5, 9 à 10. S'il est fidèle dans les petites choses, qui sans cesse mettent à l'épreuve la réalité du cœur, son Seigneur pourra lui confier les vraies richesses, les trésors du sanctuaire. Luc 16, 10 à 12. Christ le modèle, les Macédoniens. Notre modèle, c'est Christ, dans son dévouement complet au Père, de son immense amour vis-à-vis de sa créature coupable. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comment, étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour vous, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens 8, verset 9. De la gloire éternelle, il a daigné s'anéantir. Il a été ici-bas, le pauvre. Pauvre 40, psaume 47, 41, verset 1, pour que nous puissions partager avec lui ses richesses insondables. La contemplation de ce merveilleux travail de la grâce de Dieu en Christ sera la source et le motif de notre libéralité. Il en était ainsi pour ces Macédoniens qui s'étaient donnés premièrement au Seigneur. C'est la première chose qu'il convient de faire, car s'il s'est acquis tous les droits sur nous à la croix, 2 Corinthiens 8, 5, 1 Corinthiens 6, 19 à 20, puis dépassant les espérances de l'apôtre, il s'était donné aux saints par la volonté de Dieu, 2 Corinthiens 8, 5,
Leurs circonstances étaient pourtant des plus difficiles. À vue humaine, tout se liguait pour les empêcher d'être libéraux. Une profonde pauvreté matérielle s'accompagnait d'une grande épreuve de tribulation, comme Asmine, Apocalypse 2, 8 à 10. Mais une si grande joie se liait chez eux au privilège de donner, voir aussi 1 Chronique 29, verset 9, qu'ils avaient demandé avec de grandes instances la grâce et la communion de ce service envers les saints. Cette grâce leur avait été accordée et le moment venu, ils avaient agi avec diligence, selon leur pouvoir et au-delà de leur pouvoir. 2 Corinthiens 8, 3 à 4. Pendant l'année de la sécheresse, ils ne cessaient de porter du fruit. Jérémie 17, 8. Les épreuves et les privations produisent-elles de tels effets de la grâce dans nos vies? Un cœur large. Ne donnons pas à regret ou par contrainte. Deutéronome 15, 18, Philémon 14. Dieu aime celui qui donne joyeusement. Ce doit être un fruit spontané de la grâce arrivant à la maturité dans un cœur bien disposé. Si nous éprouvons du regret à donner, c'est que nous sommes encore sous la puissance de Mammon. Beaucoup de croyants se plaignent de manquer de joie, de fraîcheur spirituelle. N'est-ce pas parfois par manque de libéralité? Sous divers prétextes, le cœur et la main restés fermés nous montrent notre égoïsme foncier. Deutéronome 15, 7 à 10. Demandons à Dieu un cœur large, comme celui de cette veuve dont parle Marc 12, 41 à 44 et Luc 21, 1 à 4. Il y avait là plusieurs riches qui jetaient beaucoup et avec ostentation dans le trésor du temple. Cette pauvre femme aurait pu penser, j'ai si peu, qu'est-ce qu'à côté de tout cet argent? Mais non, elle a tout donné. Ce n'était que deux pites qui font un cadran. Le Seigneur regardait comment la foule jetait au trésor. Il agit toujours ainsi. Rien ne lui échappe et c'est le comment qui lui importe. Pour les hommes, cette veuve agissait d'une manière imprévoyante, incompréhensible. Mais celui qui sonde les cœurs et les reins donne son estimation. La seule qui vaille. Mesuré avec le cycle du sanctuaire. Lévitique 27, verset 25. En vérité, je vous dis que cette pauvre veuve a plus jeté au trésor que tous ceux qui y ont mis, car tous y ont mis de leur superflu. Mais celle-ci y a mis de son indigence tout ce qu'elle avait, toute sa subsistance. Elle était riche en foi. Jacques 2, verset 5. Elle se confiait entièrement en Dieu. Il était tout pour elle. Où en sommes-nous à cet égard? Ce n'est pas l'importance de nos dons, mais le sacrifice qui implique qu'il y a du prix pour le Seigneur. Soyons attentifs à ne pas le frustrer. Malachie 3, 8 à 10. Il sait ce que nous gardons pour nous-mêmes, que de fois peut-être lui avons-nous offert un sacrifice qui ne coûtait rien. 2 Samuel 24, verset 24. Malachie 1, 7 à 8. Marie de Béthanie aussi était de ceux qui donnent avec joie. Elle était fortement critiquée, mais nous l'avons vue par son entourage. Mais quelle joie pour le Seigneur de dire ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. Marc 14, 8. Quel encouragement! Notre adoration, nos dons, notre service recevront de lui leur véritable appréciation. 1 Corinthiens 4, 3 à 5. Et cette pensée suffit aux chrétiens dévoués. Hébreux 13, 15. Quelle grâce! S'il peut être dit, le Seigneur en a besoin, lui, le Créateur de toutes choses. Montrerions-nous moins de promptitude que cette personne dont Jésus pouvait dire, et aussitôt il les enverra. Matthieu 21, 1 à 3. La parole de Dieu nous donne de tels exemples pour nous stimuler. Les saints à Corinthe étaient beaucoup plus favorisés que ceux de Macédoine, mais leur libéralité serait-elle à la mesure de leur aisance? Trop souvent, dans la prospérité, les cœurs se dessèchent trop occupés des choses de la terre. La peau dirigée par le Seigneur sent le besoin de mettre à l'épreuve la sincérité de l'amour des Corinthiens. « Vous avez été prompts à vouloir, leur dit-il, et bien maintenant achevez aussi de faire. » 2 Corinthiens 8, verset 11. Nos bonnes intentions ne peuvent suffire. Il convenait devant Dieu que leur abondance supplie aux besoins des pauvres en Judée,
De sorte qu'il y a égalité, il convient aussi que celui qui enseigne participe à nos biens temporels. L'ouvrier est digne de son salaire. 1 Corinthiens 9, 14, 1 Timothée 5, 18, Galates 6, verset 6. Celui qui sème chichement moissonnera aussi chichement. Celui qui sème libéralement moissonnera aussi libéralement. 2 Corinthiens 9, verset 6, Proverbes 11, 25. Accumuler les biens que Dieu met à notre disposition, c'est les détourner du but pour lequel il les met. Il les place entre nos mains. Ceux qui sont riches, 1 Timothée 6, 17, verset 19, sont responsables d'en user selon Dieu sans s'enorgueillir. Jérémie 9, 23, ce n'est pas dans l'argent ou dans les plaisirs de ce monde que l'on peut saisir ce qui est vraiment la vie, mais dans la connaissance de Dieu et à son service.